Bonjour à tous, nous allons parler recrutement aujourd'hui au sein d'une très belle entreprise, la société Interstice, pour y rencontrer sa directrice des ressources humaines, Clémentine Macangila. Clémentine Macangila, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les recrutements au sein d'Interstice ? Alors, on en a pas mal en ce moment. On recrute notamment un product owner, un développeur back, un développeur front, un développeur iOS, un manager commercial et des commerciaux. Donc, principalement des postes informatiques, mais aussi fonctions support. Est-ce que vous pouvez en rappeler la localisation ? Oui, alors on recrute sur Paris, dans Bourgogne, au Creusot, à Nantes et à Montpellier. Est-ce que vous avez des postes en alternance également ? Oui, tout à fait. On a des postes sur la cellule commerciale et aussi en ressources humaines. Est-ce que vous pouvez rappeler l'activité de Interstice ? Oui, c'est une plateforme collaborative qui est 100% française et co-responsable et hautement sécurisée. Qui a la vocation de créer quel type de produit, de quoi retourne cette plateforme ? Alors, c'est une plateforme collaborative pour pouvoir travailler à distance ou en équipe, c'est-à-dire avec outils de visio, discussion instantanée, gestion de projet de Office 365, mais français. Alors, revenons sur les recrutements. Sous quel type de contrat vous recrutez ces différents collaborateurs ? Alors, on recrute en CDI ou en alternance pour les deux contrats. Pour le poste en alternance. Est-ce qu'il y a un site sur lequel les auditeurs peuvent éventuellement retrouver un descriptif un petit peu plus détaillé donc de ces différentes collaborations ? Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Hello Work ou sur Welcome to the Jungle. Alors, les postes sur les métiers informatiques supposent, depuis notamment la crise sanitaire, une grande part parfois de télétravail. Est-ce que c'est le cas au sein d'Interstice ? Oui, alors on a 2 jours de présentiel obligatoire, mais le reste du temps, on peut être en télétravail ou venir au bureau selon les convenances de chacun. Alors, ce qui laisse quand même un large panel géographique possible des différentes candidatures. Tout à fait. On recrute vraiment sur toute la France, et étant donné qu'on a des antennes un peu partout, ça facilite vraiment les choses. Alors, revenons au poste en alternance. Est-ce que vous pouvez en préciser un petit peu les lignes ? Oui, alors sur le poste de commercial, c'est plutôt chargé de prospection. Mmh. Donc, c'est qualifier les démonstrations que les commerciaux font ensuite. Et sur la partie plutôt ressources humaines, ce sera plutôt sur du recrutement, justement. Alors, vous n'êtes pas en particulier attelé à ne recevoir des candidatures que de telle ou telle école. En fait, un candidat peut s'adresser à vous, quel que soit l'établissement dans lequel il a pris le soin de s'inscrire. Oui, tout à fait. On est vraiment ouvert à toutes les écoles. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est la société Interstice, pas mal de recrutement, 2 postes en alternance sur différents sites géographiques en France, avec cela de particulier que la part de télétravail ouvre le champ encore davantage du point de vue des candidatures. Clémentine Macangila, je vous remercie beaucoup. On reviendra peut-être dans votre entreprise pour découvrir plus en particulier l'un de ces métiers. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.